Bonjour à tous. Je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle présentation où je vais montrer l'utilisation de quelques fonctionnalités de base de Fusion 360. Cette présentation fait partie d'une série de présentations que j'essaie de faire. Chaque semaine, le jeudi matin à 10 h. En fait, la semaine prochaine, on a eu un petit souci. J'ai dû repousser la présentation, voilà, aujourd'hui. Je suis désolé si vous étiez connecté jeudi passé. Mais voilà, on est là aujourd'hui. Toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. On a aussi créé une playlist avec toutes les présentations en français. Alors, comme je disais, le but de ces présentations est de présenter à ceux qui commencent à utiliser Fusion 360 les fonctionnalités de base du produit, afin que vous puissiez les utiliser le plus efficacement possible. Vous pouvez utiliser la chat à côté. Si vous avez des questions, ma collègue Eve, elle va essayer de voilà de répondre à ces questions. Par contre, si vous regardez l'enregistrement, vous pouvez utiliser les commentaires en bas pour si vous avez des questions, et on va essayer de répondre à toutes les questions. Vous pouvez utiliser aussi soit la chat, soit les commentaires pour voilà, pour si vous avez des requêtes par rapport au sujet que vous aimeriez que je vais aborder dans les prochaines présentations. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la tolerie dans Fusion 360. On va, comme d'habitude, vraiment regarder les notions de base de la tolerie et on va essayer aussi de modéler, voilà, une pièce de tolerie avec les notions qu'on va regarder dans la première partie de la présentation. Voilà. Alors on va commencer. Alors d'abord, avant de commencer, voilà, je veux vous rappeler encore une fois, comme j'avais dit, que toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Alors ici, vous voyez la page voilà, principale, où vous voyez aussi, voilà, vous pouvez aussi voir les présentations prochaines. La plupart en anglais, mais à côté ici, vous avez un lien pour voilà pour la page où on a tous les enregistrements de cette série de présentations en français. Vous avez aussi le lien dans la description de chaque présentation. Voilà, alors on va commencer avec le sujet de la tolerie dans Fusion 360. Alors, pour commencer à modéler une pièce de tolerie, là on a l'onglet tolerie et on commence en créant un nouveau composant. Et là, on a cette boîte de dialogue où on peut sélectionner la règle qu'on veut utiliser pour modéler la pièce de tolerie. On n'a pas beaucoup de règles parce que normalement,
Bon, chacun utilise soit au niveau des matériaux, soit au niveau de règles, quelque chose de un peu personnalisé. On a quelques règles, mais comme on va le voir, c'est très très simple de créer sa propre règle. Bon, mais par exemple, dans ce cas, on commence avec la règle pour l'aluminium avec une épaisseur d'un millimètre et demi. Et après, on crée un esquisse. Comme d'habitude, on sélectionne une des planes de l'origine parce qu'on n'a rien encore dans notre modèle. Et on peut commencer avec un rectangle tout simple. Là, je peux déjà donner les côtés du rectangle, par exemple 80, et après, avec la touche Tab, je passe à l'autre côté, et, par exemple 100. Voilà. Après, je termine l'esquisse et je vais utiliser cette fonction bord tombé avec laquelle on fait, comme on va le voir, on va faire presque tout dans l'environnement de la tolerie. Alors, bord tombé, je sélectionne le contour fermé et là, par exemple, je peux sélectionner le côté par rapport au plan de l'esquisse. Je peux aller de ce côté, de l'autre côté, je peux créer voilà, la face symétrique. Bon, on sélectionne ça. Mais bien sûr, je ne dois pas définir l'épaisseur parce qu'en fait, l'épaisseur, il va suivre la règle active. Et comme on avait dit, on a une règle où l'épaisseur c'est 1,5 mm, mais on va voir tous les détails par rapport à les règles au fur et à mesure pendant la présentation. Voilà. Voyez là la règle 1,5 mm. Encore, j'utilise la fonction bord tombé. Je sélectionne un arrêt. Et là, je commence à créer voilà les autres détails de la pièce de tôlerie. Alors je peux définir par exemple l'auteur. Là je peux aussi donner un angle. Et là j'ai différentes options. Alors par exemple j'ai défini l'auteur de cette partie 50 mm, mais à partir de la face extérieure. Mais là, je peux changer et dire non, je vais les 50 mm à partir de la face intérieure. Et là, vous voyez, ça monte un petit peu. J'ai aussi là l'option tangent, mais là, l'angle, c'est 90 degrés, je ne vois pas des différences. En fait, c'est la même. Il n'y a pas, par exemple, une différence. Là, on voit la différence si, par exemple, on a une angle là. Aussi, la position du pli. Là, par exemple, le pli, c'est intérieur. Ça veut dire que le pli, il commence vraiment à niveau de l'arrêt. Sinon, l'extérieur, il commence après l'arrêt. Adjacent, on va voir un exemple un peu plus clair dans quelques minutes. Si par exemple je me suis trompé à sélectionner l'arrêt, je voulais sélectionner l'autre, je peux toujours inverser.
La digression, et là, alors, toutes les fonctions que je vais utiliser vont suivre la règle active, mais je peux toujours, par exemple, remplacer une des propriétés de la règle active pendant que, par exemple, je fais une fonction spécifique. Alors, par exemple, dans ce cas, le pli, normalement, c'est égal à l'épaisseur, mais par exemple, je peux dire non, là, je veux un rayon de 3 mm, de 5 mm. Mais, par exemple, je peux créer directement les quatre bords tombés à l'aide de la touche contrôle. Par exemple, je peux sélectionner les quatre arrêts en même temps. Et là, on commence à voir encore, par exemple, là, on a le coin entre les deux plis. Et là aussi, si je veux, je peux qui suivent dans ce cas la règle active, mais je peux toujours remplacer la propriété de la règle. Par exemple, là, j'ai carré avec la taille de 6 mm. Je peux dire non, je veux dans ce cas-là un rond. Ou je vais voilà, une autre type de jonction, si vous voulez. Je peux aussi changer la taille. Voilà. Et je continue. Alors là, on a les quatre bords tombés. Je continue encore avec la fonction bord tombé. Et là, par exemple, dans ce cas, si à l'aide de la touche contrôle, je sélectionne encore une autre arrêt, vous voyez que la jonction là, c'est automatique avec cette option onglet, d'onglet. Si, par exemple, si je l'enlève, j'ai voilà, j'ai ce résultat-là, mais j'ai aussi un avertissement que si je fais ça, je peux pas le déplier. La pièce. Et je continue toujours à l'aide de la touche contrôle. Je sélectionne aussi les autres. Et là, par exemple, je donne une hauteur de 20 mm. Et là, je continue avec toujours la fonction bord tombé. Je sélectionne cet arrêt. Si, par exemple, à l'aide de la touche contrôle, celui-là. Et là, jusqu'à présent, on a créé des bords tombés toujours avec l'option arête entière. Mais là, j'ai des autres options, par exemple, l'option symétrique. Et là, je peux définir la distance entre la fin du bord tombé et le centre. Alors, par exemple, là, 10, quelque chose comme ça. Ou je peux définir, si on va vers l'autre, les deux côtés. Alors, ça, dans ce cas, en fait, c'est la distance. Voilà, c'est un peu. C'est pas symétrique et je dois définir encore une fois la distance entre la fin et le centre, mais je peux définir deux valeurs différentes. Sinon, j'ai encore décalage. Là, j'ai en fait, c'est le décalage à partir de, si vous voulez, de deux références.
Je peux aussi changer la référence, par exemple, référence 1. Je vais dire, non, je veux depuis, je vais mesurer depuis ici, quelque chose comme ça. Et là, on regarde encore une autre propriété de la règle, là, par exemple. Là, ici, j'ai aussi la forme aileron, mais je peux la changer. Je peux aussi changer ici les valeurs pour la largeur, la profondeur, par exemple. Et là, ça contrôle un peu la forme si j'arrive très proche de voilà de la fin de l'arrêt. Par exemple, là j'ai 3. Si je mets 10, là il reste comme ça jusqu'à que je m'éloigne un peu plus. Voilà. Pendant que je fais toutes mes opérations, je peux toujours contrôler que je peux toujours déplier la pièce. Normalement, si ce n'est pas le cas, j'ai aussi un avertissement, mais là, j'ai cette fonction que, comme on va voir, je peux utiliser aussi pour des autres opération, mais là je peux dire déplier, je vais sélectionner une entité fixe. Et là vous voyez, j'ai tout ces parties en vert où je peux dire je peux déplier et regarder comme ça va voilà déplier la pièce. Je peux aussi j'ai aussi l'option de les déplier tout en même temps. Voilà. Maintenant, avant de vous. Alors, là, c'est tout. J'ai tout créé par rapport à cette règle. Alors, on va un peu regarder les règles. Alors, ça, c'est la règle que j'ai utilisée jusqu'à présent. Et, mais. Là, comme vous voyez, je peux la modifier ou je peux créer une nouvelle règle à partir de cela. Alors, on va faire ça, comme ça, on va voir un peu des détails par rapport à la règle. Alors, par exemple, là, on va créer une autre règle à partir de cela. Par exemple, je vais. Une règle toujours pour l'aluminium, mais je veux une épaisseur de 3 mm. Alors, je vais changer l'épaisseur là. Alors, le facteur K, en fait, c'est une propriété qui donne un peu une idée de la déformation de la tôle quand on va la, voilà, la plier. Et ça, c'est spécifique à chaque matériel, mais là, on va laisser cette valeur par défaut. Alors, les espaces d'onglets de découpe, de couture, là, ils sont toujours liés à l'épaisseur. Là, c'est pas encore traduit, mais en fait, là, c'est l'épaisseur. Alors, maintenant, je vais changer un peu. Comme ça, on va voir la différence entre les deux. Qu'est-ce que ça va passer si je veux appliquer une nouvelle règle à une modèle de tôlerie que j'ai déjà créé. Alors, par exemple, là, je vais dire là, c'est divisé par 2. Alors, condition de pliage, on a vu, bon, normalement, le rayon de pliage, c'est un peu l'épaisseur. Là, on va
changer un peu les valeurs, mais juste, voilà, juste pour. Là, sont tous des valeurs qu'on a vues avant quand j'ai essayé de les changer par rapport à la règle active. Alors là, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour, voilà, pour montrer. Alors là, on va changer ici. Bon, là, on peut le laisser comme ça. Et on va enregistrer la nouvelle règle. Alors maintenant, cette règle, j'ai cette règle que dans ce fichier. Si je veux utiliser cette règle aussi pour des autres modèles que je vais créer après ça, je fais un bouton droit et je vais copier la nouvelle règle dans la bibliothèque. Comme ça, la règle, elle va être disponible dans tout. Mais voilà, dans tous mes modèles. Alors là, j'ai cette modèle un peu bizarre, si vous voulez, que j'ai créé avec cette règle aluminium avec une épaisseur d'un millimètre et demi. Je peux cliquer ici et dire que je veux changer la règle. Et vous voyez, quand je fais ça, tout va se mettre à jour avec les propriétés de la nouvelle règle. Je peux aussi revenir en arrière, bien sûr. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder encore une autre chose intéressante avant de commencer à modéler quelque chose de plus ou moins réel. Alors, je crée un nouveau composant. Je vais encore utiliser la règle avec l'épaisseur d'un millimètre et demi. Je vais créer l'esquisse, mais cette fois, je ne vais pas créer un contour fermé. Je vais créer un contour comme cela, par exemple. Voilà, je termine l'esquisse. J'utilise encore bord tombé et je peux sélectionner le contour, ce contour ouvert, pas fermé. Par exemple, je peux faire quelque chose de symétrique pour créer ma pièce de tolérée. Là aussi. Dans ce cas, j'ai que des plis. Il va toujours suivre la règle que si je veux, je peux remplacer. Voilà. Je peux faire encore une autre chose. Je peux sélectionner cette face. Je crée un esquisse. Je vais créer une ligne. Voilà, je termine l'esquisse et là je veux dire que je veux plier cette face. Je clique sur en fait la face qui doit rester comme elle est et je sélectionne l'esquisse et je peux plier. Voilà, je peux, comme on a vu avant, on peut changer l'angle si on veut. Et là, je peux continuer à modéler ma pièce. Par exemple, je crée quatre bords tombés. Je sélectionne les quatre arrêts à l'aide de la touche contrôle. Là, j'ai aussi directement l'option de l'onglet, comme on a vu avant. Voilà. Une autre chose très intéressant, c'est que je peux combiner des fonctions qui sont spécifiques de l'environnement tolérie avec des fonctions
qui sont pas spécifiques à cet environnement. Normalement, avec des autres logiciels, ça pourrait poser des problèmes. Si après je dois bien sûr déplier le modèle. Des fois, dans des autres logiciels, il faut changer complètement d'environnement pour appliquer des fonctions qui ne sont pas spécifiques à l'environnement de la tolérée. Avec Fusion 360, ça, ce n'est pas le cas. Bien sûr, si je fais des choses complètement folles, bon, je ne sais pas. Mais normalement, ça ne va pas poser des problèmes. Et ça, on va le voir. Aussi après, quand on va modéliser notre pièce. Alors, par exemple, là, je peux sélectionner ce petit arrêt, un bouton droit, appuyer, tirer, fusion, il va me proposer de faire un congé. Je sélectionne aussi de l'autre côté, je fais quelque chose comme ça, que c'est bon, c'est clair, c'est quelque chose que je peux faire avec la tolérée, mais c'est pas spécifique à la tolérée. Je peux sélectionner cette face, je fais un bouton droit et je peux appuyer, tirer, je peux l'allonger. Voilà. Et comme on peut voir, je peux toujours déplier ma pièce. Voilà. Mais maintenant, je vais la laisser comme ça parce que je vais faire encore une autre chose. Par exemple, je vais créer un esquisse. Ici, et je vais créer une esquisse comme ça. Les côtes ne sont pas importants. Et après, je sélectionne le contour fermé et je vais couper. La pièce. Comme ça. Voilà. Si je vais la replier, l'opération, comme vous voyez, elle va s'adapter à tous les plis. Une autre chose que j'avais oublié de vous montrer. Alors, bien sûr, là, comme aussi dans la modélisation, qui c'est pas la tolérie, on a toute l'histoire ici. Là, je voulais, voilà. Je peux, par exemple, modifier ça. Je peux toujours, par exemple, là, on voit la différence, par exemple, entre la position du pli, là, intérieur, extérieur et adjacent. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va créer cette pièce et on va utiliser les notions qu'on a vues jusqu'à présent. En fait, il s'agit d'une boîte de sortie avec un support pour, par exemple, accrocher. Je sais pas, un support en bois. Par exemple, on a ici les points là. Et là, vous voyez, ça, c'est un assemblage qui contient deux composants de tolérie. Et là, on va modéliser ça. On va utiliser juste ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous avez le lien pour dans la description de la présentation en bas pour télécharger la pièce. Comme ça, vous pouvez la regarder, vous pouvez essayer de la refaire si vous voulez. Alors, maintenant, je ne vais pas suivre vraiment tous les codes que j'ai utilisés pour modéliser la pièce que vous pouvez télécharger, mais c'est pas important. Le but, c'est vraiment de voir en action les notions qu'on vient de regarder.
Alors, on commence avec une nouvelle conception anglais tolerie, et on va créer un nouveau composant qu'on va appeler boîte. Désolé, j'ai pas les accents dans mon clavier, j'ai un clavier américain, désolé. Mais boîte. Alors là, je crée un esquisse, je sélectionne une des plans de l'origine et je commence avec un rectangle. Dans ce cas, je vais utiliser un rectangle par les centres. Et là, on va après on va regarder pourquoi. Rectangle par les centres, je m'accroche au centre de l'origine et pour la côte sélectionnée, je veux dire 80. À l'aide de la touche Tab, je vais passer de l'autre côté 50. Bord tombé, je sélectionne le contour fermé et je veux créer la face, la première face de ma pièce. Bord tombé encore et à l'aide de la touche contrôle, je vais sélectionner les quatre arêtes et je vais dire on fait une hauteur de 60. Alors maintenant, je veux créer des bords tombés là et là. Qui vont rentrer un peu dedans. Comme ça, je veux renforcer un peu voilà, la structure du modèle. Alors, on commence. On sélectionne cet arrêt. Et aussi cet arrêt. Et je veux dire, voilà, je vais une hauteur de 10, mais je veux pas que soit l'arête entière. Alors je dis, je veux l'option symétrie. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais si on regarde bien, on est, si vous voulez, un peu loin de l'autre bord. Alors ça va pas vraiment m'aider beaucoup pour le renforcer. Alors je fais comment pour me rapprocher. Alors là, par exemple, je peux changer l'option là. Mais par exemple, si je dis, si je prends cette option là, si je dis là, c'est pas bien parce que je veux, c'est trop. Là, il me dit que je peux pas la déplier. Alors je reviens, désolé, encore une fois, je reviens à cette option, mais quand même là je suis très loin. En fait, ça va pas marcher pour la renforcer. Alors là, je peux commencer par exemple à combiner les fonctions de la tolerie avec une fonction qui c'est pas vraiment spécifique de la tolerie. Et là, j'ai l'histoire de mon modèle. Je reviens un moment en arrière. Voilà. Je sélectionne cette face. Bouton droit, appuyer, tirer. Je sélectionne aussi cette face-là. Et là, je vais un petit peu vers l'eau, par exemple 0,3.
quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, je veux recalculer le bord tombé. Et là, on peut dire qu'on est bien pour renforcer. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, je veux faire la même chose de l'autre côté. Alors, bien sûr, je peux suivre les mêmes étapes, mais sinon, alors, comme on a vu, on est parti d'un rectangle avec le centre dans l'origine. Alors là, encore une fois, je peux utiliser une fonction que ça, c'est pas vraiment spécifique à la tôlerie. Cette option, c'est la symétrie miroir. Dans ce cas, je veux faire le miroir des fonctions et je vais sélectionner le décalage des deux faces, bien sûr le bord tombé. Et comme plan de symétrie, je peux sélectionner ce plan de l'origine. Et voilà. Je n'ai pas besoin de refaire toutes les étapes. Là, j'ai mes bords tombés avec voilà, les jonctions et tout. Alors, mais peut-être cette opération, il va m'empêcher de déplier le modèle. On va le vérifier. Déplier, je sélectionne ça comme entité fixe. Non, c'est bon. Encore. Alors, on continue. Là, on doit créer cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, encore une fois, bord tombé, je sélectionne cet arrêt. Je vais presque 10 mm d'hauteur. Je ne vais pas l'arête entière, je vais un arête symétrique. Là, j'utilise une valeur de 5. Là aussi, par exemple, j'aime pas trop ce type de jonction là. Alors, je peux remplacer dans ce cas la règle. Je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et là, maintenant, je continue avec des fonctions pas spécifiques à la tôlerie. Par exemple, je sélectionne cet arrêt. Bouton droit, je commence à créer un congé. Aussi de ce côté, de presque de 5 mm. Voilà. Et après, je sélectionne la face. Je fais un bouton droit. Je fais un perçage. Alors, chose intéressante que je vais vous montrer. Alors, normalement, le centre de perçage, c'est où j'ai cliqué sur la face. Maintenant, si je sélectionne le centre et je presse le bouton gauche de la souris, vous voyez, il va me montrer le centre, par exemple, de l'arc à haut. Et moi, je peux m'accrocher sur le centre. Là, on va faire un perçage de 3 mm, par exemple. Et pour faire la même chose aussi de l'autre côté, comme on a fait avant, je fais un symétrie miroir, je sélectionne le perçage, le congé et bien sûr le bord tombé. Et je sélectionne toujours ce plan pour la symétrie et voilà. Et ma boîte, elle est là. Je vérifie encore que je la peux déplier. Voilà. C'est tout bon. Après, je vais faire la mise en plat à la fin. Alors ça, c'est le premier composant de tôlerie. Maintenant, on va créer le support, que c'est encore une autre composant de tôlerie. Alors, on va créer un nouveau composant. On l'appelle support. On va utiliser la même règle. Là, on commence. Cette fois, pour commencer, on va créer un contour ouvert.
Alors là, on s'accroche au milieu. On fait par millimètre. On continue là. Là, on fait 10 mm, par exemple, avec un angle de 45. Voilà. Et là, on termine avec une ligne de presque 50 mm. Voilà. Je termine l'esquisse. Et là, je peux créer. Je peux commencer à créer ma pièce de tôlerie. Même si j'ai, comme on a vu avant, même si j'ai un contour ouvert. Alors là, on va faire, par exemple, une longueur de 12 mm des deux côtés. Voilà. Après, là, on crée des bords tombés un peu pour renforcer cette pièce. Comme j'avais dit avant, les côtes, ils sont pas très très importants. On va faire quelque chose comme ça pour cette pièce-là. On va faire cette partie-là, on va faire quelque chose comme ça. Comme ça aussi de ce côté. Aussi dans ce cas, je vais changer un peu la règle là parce que pour cette pièce-là, j'aime plutôt quelque chose comme ça. Maintenant, je sélectionne cette petite arrêt, je fais un bouton droit et je vais créer un chanfrein avec deux distances. Par exemple, voilà, 10 et 12. Après, je sélectionne cette face, je fais un bouton droit, je crée un esquisse sur cette face, je vais décaler ce contour, par exemple, de 3 mm. Juste une ligne là. On applique une côte, comme je vois, pas très important. Je sélectionne le contour, je fais un bouton droit je veux couper la tôle comme ça. Après, je dois créer, voilà, une petite bord tombé un peu plus compliqué. Voilà, comme ça, le support, il peut s'accrocher, par exemple, à un support en bois. Alors, encore une fois, bord tombé, je sélectionne cette arête. Alors là, d'abord, je veux créer quelque chose comme ça. Voilà, je ne vais pas trop me intéressé des côtes. Là, pour l'auteur, juste on fait peut-être 15 mm. Et là, on doit un peu voilà, le plier. On commence par exemple à essayer avec une angle de 45 degrés. Mais après, on doit le plier de l'autre côté. Alors, on sélectionne la face là, fait un bouton droit
Et on crée un esquisse sur cette face. On s'accroche au milieu, ici, de cette... On crée une ligne comme ça. Et après, on va plier. Et là, si on regarde, là peut-être on doit modifier l'angle pour cette bord, par exemple, par la distance, fait l'angle. Voilà, 30 degrés, et voilà, comme ça marche. Là, on essaie de faire la pointe, si vous voulez, avec un chanfrein cette fois. Quelque chose comme ça. Bon, maintenant, je dois compléter mon support. Alors là, encore une fois, là, j'aime pas ça. Alors, je veux encore une fois dire que là, je vais quelque chose plutôt comme ça. Et là, maintenant, je dois compléter. Alors, je vais vraiment prendre une opération que c'est normalement pour les... Alors, d'abord, je vais faire une symétrie miroir, cette fois du corps que je viens de modéliser. Et comme plan de symétrie, je prends cette face-là. Voilà. Mais bien sûr, je ne veux pas ça. Alors là, je vais le combiner. Et voilà. J'ai mon support complet. Alors là, encore une fois, j'ai utilisé pas que des fonctions spécifiques de la tôlerie. Alors, on va voir si je peux encore, par exemple, le déplier. Et oui. Et voilà. Maintenant, j'ai mes deux pièces de tôlerie. Par exemple, ce sont deux pièces. Là, par exemple, je peux changer la règle pour une des deux pièces si je veux, par exemple, et on prend la règle qu'on avait créée avant et on avait sauvegardée dans la bibliothèque. Et vous voyez, ça se met à jour avec la nouvelle règle, mais l'autre pièce, il reste avec la règle d'un millimètre et demi. Je peux bien sûr revenir en arrière. Je peux créer la mise à plat pour chaque composant. Je peux exporter la mise à plat, par exemple, pour la produire comme un DXF. Bien sûr, je peux faire la même chose pour l'autre composant. Voilà. Chaque composant, il va avoir sa mise à plat. Alors, voilà. Alors, on a créé les deux composants. On a créé les mises à plat. Et je vois que dans la chat, il y a aussi la question, comment je peux mettre par exemple la mise à plat dans un plan. Alors ça, c'est en fait, c'était quelque chose que je veux montrer dans la prochaine présentation, mais comme on a encore quelques minutes, je vais vous donner une aperçu de la prochaine présentation. Alors par exemple, je veux mettre la mise à plat dans un plan avec aussi
la table pour le pli. Alors, voilà. Voilà, je dois juste sauvegarder un moment. Là. Et là, par exemple, je sélectionne cette pièce et je dis, je vais la mise à plat. Cette pièce. Voilà. Ça, c'est la mise à plat. Et ça, c'est la table avec tous les pliages que, comme vous voyez, ils sont pas encore traduits. Alors, ça, on va le regarder en détail la semaine prochaine. Mais c'est juste pour vous montrer que ça, c'est bien sûr possible. Alors, voilà. Ça, avec ça, on termine la présentation d'aujourd'hui où on a regardé vraiment les notions de base pour modéler dans l'environnement toléré dans Fusion 360. On a regardé un peu les règles, qu'est-ce qu'on peut faire, et après, on a modéler une boîte de sortie avec son support. C'est un modèle que vous pouvez télécharger. Le lien, c'est dans la description de la présentation. La présentation va être enregistrée et disponible dans la chaîne YouTube de Fusion 360 où vous trouvez aussi la playlist avec tous les contenus en français qui contiennent tous cette série, l'enregistrement de cette série de présentations. Alors, j'espère que aujourd'hui ça a été intéressant. Comme je disais tout à l'heure, la semaine prochaine, on va aborder un peu le sujet de la mise en plan des modèles qu'on crée avec Fusion 360. Alors, si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain à 10 h. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.